Alors, bien bonjour à tous. Bienvenue à cette deuxième conférence de notre série, de notre duo, donc de nos activités estivales. Je m'appelle Daphné Lecourtessier, je serai votre hôte pour ce soir. Donc, la conférence de ce soir, des intrus dans ta cour qui nous seront présentés par Guillaume. Donc, tout d'abord, là, je vais le présenter pour ceux qui ne connaissent pas le comité ZIP. Donc, le comité ZIP du Haut-Saint-Laurent, c'est un organisme qui a pour mandat la protection, la conservation et la mise en valeur du fleuve. Notre territoire comprend le lac Saint-François et le lac Saint-Louis au sud-ouest de l'île de Montréal. Donc, pour ma part, je suis, comme je disais, Daphné Lecourtessier. Je suis chargée de projet et biologiste là, au comité ZIP depuis maintenant un an et demi. Pour le fonctionnement de la conférence d'aujourd'hui, donc la conférence se déroule présentement sur Zoom, mais elle est également en live sur Facebook. Pour rendre le plus fluide là, la conversation, on a fermé vos micros et votre caméra. Également, la conférence est présentement enregistrée si jamais vous souhaitez la revoir ou quoi que ce soit. Concernant les interactions, on vous invite à utiliser l'icône questions et réponses, donc symbolisée par les deux bulles dans l'application Zoom au bas de vos écrans pour poser des questions. Pour les personnes qui suivent la conférence sur Facebook, on vous invite là, à écrire vos questions dans la section commentaires juste en dessous de l'écran. Et dans le fond, moi, je vais comptabiliser les questions là, tout au long de la présentation de Guillaume et on gardera un petit 15 minutes à la fin là, pour vos questions-réponses. S'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas. Tout au long, là, je vais pouvoir répondre à vos questions concernant le déroulement. Sinon, ben, je laisse la place à Guillaume pour sa conférence. Bon succès! Bonjour tout le monde, merci Daphné pour cette introduction et bienvenue à tout le monde pour cette nouvelle présentation qui aujourd'hui aura pour thème des intrus dans ta cour, comment protéger vos aménagements contre les espèces exotiques envahissantes. Alors, la présentation va se dérouler de la façon suivante. Tout d'abord, on va évoquer les définitions, ensuite on va parler des méthodes, que ce soit des méthodes d'introduction, de colonisation et d'envahissement. Ensuite, nous allons évoquer les impacts des espèces exotiques envahissantes, qui seront ici appelées EEE, donc les impacts écologiques, les impacts sociaux et les impacts économiques. Ensuite, nous allons chercher à savoir comment anticiper ces problématiques, notamment en apprenant à connaître et en effectuant de la prévention. Ensuite, si malgré ça, les espèces sont quand même présentes, on va chercher à intervenir. On va prendre trois voies, soit la voie des végétaux, on va faire un exemple, et ensuite on va essayer de voir comment on peut intervenir face aux animaux. Puis on terminera évidemment avec les choses à retenir. Alors, on va commencer avec les définitions. Une espèce indigène. Qu'est-ce qu'une espèce indigène? C'est une espèce végétale ou animale qui vit dans son aire de répartition naturelle ou de dispersion potentielle. Donc, ça veut dire que elle est arrivée là où elle habite d'elle-même, sans l'aide de l'homme. Donc, très souvent, ça implique que ça va créer et qu'elle va habiter dans un système qui est à l'équilibre, donc ce qu'on appelle un équilibre écologique, où l'écosystème a des cycles vitaux qui ne sont pas perturbés. Donc, ici, on peut voir les différentes espèces, par exemple l'espèce verte, qui a des interactions entre espèces, entre des individus, mais également entre d'autres individus, d'autres espèces. Donc ici, on peut schématiser avec les espèces vertes qui interagissent avec les espèces bleues, elles-mêmes interagissent avec les espèces vertes plus loin, et ainsi de suite. Donc le schéma est volontairement un peu compliqué, puisque dans la réalité, c'est ce qui se passe. Même nous, actuellement, on cherche encore à déchiffrer ce qui se passe entre les différents organismes. Jusqu'ici, tout va bien. Et là, on arrive à une problématique, les espèces exotiques. Alors, une espèce exotique, c'est une espèce qui est délibérément introduite ou qui s'installe accidentellement dans une aire distincte de son aire d'origine. Puis voilà, là, c'est vraiment quelqu'un qui l'a aidé, soit volontairement ou involontairement, à se disperser. Bon, ce quelqu'un, c'est très souvent nous, les hommes, souvent de façon involontaire, parfois de façon volontaire. Alors, l'espèce exotique peut être envahissante. Qu'est-ce qu'une espèce envahissante? C'est un organisme vivant qui se développe rapidement, c'est un terme qui est important, la rapidité, au détriment des espèces environnantes. Puis, quand on fait la somme des deux, on obtient une espèce exotique envahissante. Donc, c'est un végétal, un animal ou un micro-organisme dont la propagation est rapide et qui constitue une menace pour l'environnement, l'économie ou la société. Donc là, on a repris le schéma juste avant. Puis on voit qu'ici, les espèces en rouge, on va prendre l'exemple du phragmite par exemple, donc c'est le roseau commun.
qui est arrivé, qui a pris la place d'une autre espèce végétale. Et là, par exemple, une espèce qui était une espèce à fleurs. Bien là, cette espèce à fleurs, elle disparaît quasiment. Puis les interactions qu'elle avait, par exemple, avec des insectes qui seraient symbolisés par le bleu, ben, ils n'existeraient plus. Donc, c'est pour ça qu'on a plus, on a une croix au niveau des interactions. Donc, les interactions sont perturbées avec l'arrivée des espèces exotiques envahissantes. Puis, comme il y a moins d'aliments pour certaines espèces, pour les insectes, par exemple, qui sont en bleu, ben, on pourrait moins facilement interagir avec d'autres espèces. C'est un peu tout l'équilibre qui est bouleversé. C'est pour cela qu'il faut faire attention aux espèces exotiques envahissantes. On passe justement aux méthodes d'introduction. Donc, comment ça fonctionne? Pour qu'il y ait une introduction, il faut qu'elle vienne de quelque part, qu'il y ait une source. Souvent, elle est involontaire, mais parfois, elle est volontaire. Dans le cas où elle est volontaire, ça peut être une évasion d'un jardin botanique, par exemple, ou d'un jardin privé, voire d'un zoo ou d'un aquarium. Parfois, ça peut également venir d'agriculture, d'agroforesterie, d'horticulture, d'élevage ou de chasse. Puis là, c'est introduit directement dans l'environnement, sans réellement qu'on sache que l'espèce puisse être une espèce exotique envahissante. Et de façon totalement involontaire, c'est l'autre voie d'introduction, ça peut être par tout outil de voyage, de commerce, de transport, par exemple par le biais des eaux de ballast dans les navires, les divers engins de transport, les déblais, les remblais, les semences, les canaux, les déchets, tout ce qui est matériaux de construction. Dès qu'il y a un déplacement de matière, en fait, on peut apporter des espèces exotiques envahissantes. Vous allez me dire, aujourd'hui, il y a énormément de transports, il y a du commerce dans le monde entier. Il y a quand même un motif un petit peu rassurant, c'est que la méthode de colonisation, elle s'échelonne. Et puis, sur environ 1000 espèces qui peuvent être importées, qui se déplacent par le biais de nos moyens de transport, il y a seulement une espèce qui va réussir vraiment à coloniser un espace. Ça reste l'espèce de trop, puisqu'aujourd'hui, on a quand même beaucoup trop d'espèces exotiques envahissantes ici. Mais voilà les différentes étapes que doit passer une espèce exotique envahissante. Donc, elle est tout d'abord importée. Ensuite, elle arrive sur son milieu, qui est un milieu différent de son aire d'origine. Donc là, elle ne sait pas trop, est-ce qu'elle arrive à s'acclimater. La troisième étape, c'est qu'elle s'acclimate, donc elle peut y vivre. Et la quatrième étape, c'est qu'elle peut se reproduire dans ce milieu. À partir du moment où elle peut se reproduire, ça devient dangereux. Ça veut dire qu'elle peut potentiellement devenir envahissante. Et puis à partir de là, voilà, c'est la problématique que l'on traite aujourd'hui, les espèces exotiques envahissantes. C'est le côté rassurant, voilà, de 1000 espèces qui voyagent, il y en a seulement une qui s'introduit, mais ça reste celle de trop qui peut perturber violemment nos écosystèmes. Violemment, pourquoi? Parce que la seule espèce qui arrive à s'introduire et à devenir envahissante, elle va entrer en compétition interspécifique, donc c'est-à-dire qu'elle va entrer en compétition avec d'autres espèces et elle va aussi se faciliter la tâche. Par exemple, donc avec la facilitation intraspécifique, la plante, si on prend l'exemple du phragmite, du roseau commun, lui, il se reproduit de deux façons. Il se reproduit par ses rhizomes, puis également par voie aérienne. Ça, c'est très, très efficace. Et puis, contrairement à d'autres espèces qui ont une méthode de reproduction moins efficace, il va prendre le pas et puis il va tout coloniser. Donc ça, c'est des outils spécifiques qui permettent aux espèces exotiques envahissantes d'envahir un milieu. Puis, il y a d'autres choses, par exemple, comme les espèces pionnières. C'est les premiers organismes qui s'établissent à un endroit. On a tous retourné un petit peu de terre à un endroit, au fond du jardin. Puis, on voit très rapidement que le pissenlit, c'est un des premiers qui arrive. Ben ça, c'est une des particularités des espèces exotiques envahissantes. J'ai parlé de la reproduction, donc c'est une rapidité de colonisation qui est très efficace. Il y a aussi des outils liés à la ressource. Si on prend l'exemple du gobie à taches noires, qui est un petit poisson, on en parlera plus tard, lui, son alimentation, c'est de manger les œufs des autres poissons. Donc à partir du moment où il est là, ben, les autres poissons sont en déclin, puisque les œufs sont mangés. Il y a d'autres espèces comme le nerprin qui font des modifications environnementales, ce qui vont changer, par exemple, les composés du sol. Ils vont envoyer des allèles, des processus alléliques qui vont modifier la composition du sol et qui vont repousser certaines espèces végétales. Donc, grâce à ça, lui, il se sent un peu comme chez lui. Et puis, on arrive aussi aux changements climatiques qui vont rendre des zones qui n'étaient pas accessibles, qui vont les rendre accessibles pour certaines espèces, notamment les insectes qui craignent le froid. Mais là, comme les changements climatiques perturbent un petit peu
les climats, bah, les coccinelles, par exemple, peuvent se déplacer et coloniser de nouvelles zones géographiques. On passe maintenant aux impacts, puisque oui, les espèces exotiques envahissantes ont des impacts, notamment des impacts écologiques. Donc, comme on l'a montré tout à l'heure sur le schéma, ça modifie l'équilibre écologique, puis ça peut engendrer une perte des fonctions écologiques. Dans le cas des fonctions écologiques, on va prendre un exemple pour que ça vous parle, mais imaginons un lac. Dans ce lac, vous avez une truite mouchetée, et cette truite mouchetée, elle vit, elle se reproduit, elle a son aire de vie, tout va bien. Les cycles sont établis, tout fonctionne. Mais imaginez que ce lac soit colonisé petit à petit par le roseau et que le roseau finisse par assécher le lac. Et là, on perd une fonction écologique de la truite, c'est-à-dire sa fonction d'habitat et de reproduction. Ce problème implique aussi diminue la résilience du milieu, puisque le lac en tant que tel, si on garde cet exemple, il va perdre très rapidement de la surface. Il n'y aura plus d'espèces dans le lac qui pourront entrer en compétition avec le roseau. Et in fine, le lac va disparaître. Le milieu est changé, donc ça va participer à ce qu'on appelle le déclin de la biodiversité. Alors, on a aussi des impacts sociaux. Donc, la propagation des espèces exotiques envahissantes, ça peut diffuser des maladies et des blessures, soit pour les humains ou pour les animaux, ou même entre les espèces végétales aussi. Donc, on a l'exemple de la berce du Caucase, qui est présente ici, qui peut donner de graves brûlures pour les humains, mais pour les animaux, il y a aussi certaines citations qui disent que, par exemple, des vaches sont allées s'abreuver dans un cours d'eau, puis en s'abreuvant, elles ont piétiné les racines qui sont très, très nocives, qui ont libéré des toxines dans l'eau, et les vaches ont bu l'eau et ont été ensuite malades, voire certaines ont été tuées. Donc, ça peut être assez important. Ça réduit aussi la diversité des paysages, puisqu'on a, comme on le voit sur la photo, à l'origine, c'était un lac. Bon, bah maintenant, c'est devenu un champ d'espèces végétales. Puis, ça perturbe les activités récréatives, puisqu'on voit que sur ce lac, bah, finalement, les personnes ont du mal à se déplacer en canot. Tout ça diminue les services écosystémiques aussi. Les services écosystémiques, ce sont les services que nous rend la nature. Donc, c'est un regard qui est centré sur l'homme. Mais c'est ce que la nature a toujours fait. C'est juste que nous, on s'approprie un petit peu cette façon d'agir pour nous. Par exemple, on respire de l'air que la nature elle-même est pure. On boit de l'eau que certaines plantes améliorent en faisant de la phytoépuration. Il y a plein de services qu'on ne voit pas forcément, mais qui se passent dans la nature. Et malheureusement, les espèces exotiques envahissantes, parfois, pas toujours, mais parfois, peuvent diminuer les services écosystémiques. Dernier impact, mais qui n'est pas des moindres et qui va parler de façon concrète à beaucoup de personnes, les impacts économiques, puisque bah, on a vu que ça avait un impact sur la santé, donc ça va demander de nouveaux besoins médicaux. Ça va impliquer aussi peut-être de limiter les déplacements. Imaginons qu'il y a réellement on parle souvent des espèces végétales ou animales qui sont des espèces exotiques envahissantes, mais ça peut être des micro-organismes. Et imaginons qu'il y a un pathogène très, très virulent, qui détruisent toutes les espèces végétales et qui soient seulement localisées en Europe. Mais il y a de grandes chances qu'on limite les déplacements et qu'on vive quasiment des choses qui soient similaires à ce qu'on a vécu avec le confinement du Covid. Donc, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte rapidement pour pas que ça arrive. C'est un peu alarmiste, mais rassurez-vous, pour l'instant, on n'en est pas là non plus. Et avec la rapidité où tout se fait sur la planète, il y a énormément de commerce, de transferts. Je pense que si ça devait arriver, ce serait déjà arrivé. Mais bon, il faut le garder en tête que c'est une possibilité. Ça impacte également la productivité. Alors là, c'est vraiment le cas le plus concret. On va parler argent. Mais pour le cas des conduites d'eau, bah, elles peuvent être bouchées par des moules zébrées. Donc derrière, c'est une perte de la productivité, du manque d'approvisionnement en eau pour la population. En termes d'argent, on a eu par exemple 110 000 dollars. Donc tous les chiffres ici sont en dollars canadiens. On a eu 110 000 dollars qui a été utilisé contre la grille du Fresne à Carignan sur 3 ans. Donc, ça représente quand même un budget important pour cette municipalité. 200 millions de dollars ont été perdus à cause des lapins en Australie. Donc, c'est un chiffre là encore important, sachant qu'on sait qu'en parallèle, ils ont des problèmes d'eau. Puis, ça entraîne également l'augmentation des coûts de contrôle. Donc, dans le cas où
justement, on veut éviter de perdre trop d'argent sur la productivité, mais on va agir à la base. Donc, on va contrôler les espèces exotiques envahissantes, mais ça aussi, ça a un coût. Par exemple, 250 millions de dollars ont été utilisés dans les Grands Lacs pour le contrôle des espèces exotiques envahissantes aquatiques seulement. Donc là, on parle seulement des espèces qui sont dans l'eau sur une année. Et puis, par an, au Canada, c'est environ 7,5 milliards de dollars d'utilisés seulement pour le contrôle. Bon, maintenant qu'on a fait la liste de tous les impacts, ça, c'est la bonne nouvelle, c'est qu'on peut tous faire quelque chose à notre échelle. La première chose, c'est l'anticipation et puis c'est d'apprendre à connaître. Comment faire pour apprendre à connaître? Il y a des outils qui existent et notamment l'outil Sentinel qui a été développé par le ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, qui est un outil de détection des espèces exotiques envahissantes. Alors, cet outil, qui est une application web ou application mobile pour ceux qui le souhaitent, comprend une clé d'identification avec 74 espèces exotiques envahissantes, diverses observations, des fiches descriptives et puis une cartographie à l'échelle provinciale. Alors, je vais vous présenter justement tout d'abord cette clé d'identification. On a 23 plantes terrestres dedans, 20 plantes aquatiques, 10 insectes, 8 poissons, 5 crustacés, 5 mollusques, un mammifère, un oiseau, un reptile. Ça, c'est pour la liste qui a été vraiment créé pour le cas de Sentinel, mais il y a beaucoup plus d'espèces exotiques envahissantes. D'ailleurs, c'est compliqué de dire aujourd'hui le nombre exact d'espèces exotiques envahissantes. Tout dépend aussi de l'échelle à laquelle on regarde la chose. En tout cas, pour Sentinel, il fonctionne de la façon suivante. Vous avez ici le choix de base binaire, soit vous cherchez à identifier de la faune, soit de la flore. Donc, nous, on va chercher à aller vers, je garde mon roseau commun en tête et en exemple, parce que ça va être un peu le fil rouge. Le roseau commun, alors c'est de la flore, on clique sur la flore. Ensuite, on a un nouveau choix qui arrive. Là encore, bon, c'est une clé d'identification. On se dirige vers ce qui semble s'apparenter à notre chose. Dans notre cas, c'est une plante de milieu terrestre. Même si elle vit à proximité de l'eau, elle est sur terre. Elle ne peut pas vivre entièrement dans l'eau. Et ensuite, on a une présentation de différentes espèces. Pour le coup, ben voilà, nous, on veut le roseau commun, qui est cette espèce ici. Et puis, voilà, lorsqu'on clique dessus, on a une fiche descriptive très détaillée qui nous permet d'en apprendre davantage, ce qui est très important, on le verra par la suite. L'autre atout, c'est qu'il y a une carte interactive. Donc là, on a une carte à l'échelle provinciale. Cette carte est très, très grande et elle est participative. Ce qui est intéressant, c'est que tout le monde peut ajouter une présence. Par exemple, vous, dans votre jardin, vous savez qu'il y a de la renouée du Japon. Mais vous pouvez aller sur ce site Sentinel, vous inscrire et mettre un point renouée du Japon ou Fragmite. C'est voilà, ouvert à tous. C'est ce qu'on appelle un outil collaboratif. À date, il y a plus de 7500 observations. Donc, il y a de grandes chances qu'il y en ait une proche de chez vous. Puis, si on regarde rapidement la carte, on voit qu'il y en a vraiment partout au Québec, un peu moins par contre quand on s'éloigne vers le nord. Puis près des grandes villes, là c'est assez flagrant, il y a énormément d'espèces exotiques envahissantes, puisqu'elles utilisent très facilement les zones urbaines à interurbaines. Donc tout ce qui est entre l'urbanisation et l'agriculture, c'est des zones très souvent problématiques. Par exemple, on pense au bord de route. Bon, maintenant qu'on a appris à connaître, on peut prévenir. Comment on peut prévenir? C'est un travail que chacun peut faire encore, puis chaque citoyen peut faire, et comme on dit très souvent, mieux vaut prévenir que guérir. Alors, les actions de prévention qui existent. Tout d'abord, il y a ce qui se passe en ce moment, grâce au comité ZIP et puis à votre présence, c'est qu'on peut éduquer et sensibiliser les personnes, mais vous pouvez aussi sensibiliser vos proches. On peut s'informer sur les bonnes pratiques, on peut aussi contrôler le transfert des plantes et des animaux. Donc, par exemple, on pense à l'aquariophilie ou à la vente d'animaux. Toujours garder en tête que certains animaux sont déplacés sans autorisation et puis peuvent potentiellement devenir des espèces exotiques envahissantes par la suite. Puis, il faut respecter la réglementation de base, ce que tout le monde ne fait pas non plus. Et dans le cas où on a un doute ou on souhaite avoir plus d'informations, n'hésitez surtout pas à contacter les organismes environnementaux comme le comité ZIP du Haut-Saint-Laurent, mais il existe d'autres comités ZIP si vous nous regardez de plus loin au Québec. Les organismes de bassin versant, qui eux aussi ont des,
des informations importantes. Le Centre québécois des espèces exotiques envahissantes, le Comité régional de l'environnement de Montérégie et puis, si besoin, le Nature Action Québec. Alors, on va séparer en deux. Là, je vais vous présenter d'ailleurs en premier plan comment prévenir les actions de prévention en milieu aquatique. Puis, la slide suivante, ça va être une action de prévention pour les milieux terrestres. Les deux sont séparés puisque c'est vraiment deux milieux différents qu'on ne peut pas agir ni prévenir de la même façon. Pour ce qui est des milieux aquatiques, donc, tout d'abord, la navigation. Il y a quatre étapes de base qu'il faut retenir. Quand on sort un bateau ou quand on sort... on a pêché toute la journée, on sort d'un plan d'eau, il faut qu'on s'inspecte. Donc, inspecter, c'est le premier élément, de voir si on n'a pas de plantes sur nous, on n'a pas d'œufs, on essaye de se laver s'il faut. Voilà, on regarde tout. Dans le cas d'un bateau, l'étape numéro 2, c'est de le vider. Donc ça, c'est très important de le vider, puisque certaines espèces peuvent être coincées dans le bateau, on ne s'en rend pas compte. Puis ensuite, on nettoie tout l'extérieur du bateau, comme nous, on peut se nettoyer aussi nos vêtements. Et la dernière chose, là encore très importante, c'est de le répéter dès qu'on change de plan d'eau. Parce que l'objectif, c'est vraiment d'éviter de transférer une espèce exotique envahissante vers un autre plan d'eau. Pour la pêche, là, ce qu'il faut prendre en compte également, c'est de ne pas déplacer les poissons entre les plans d'eau, puisqu'ils peuvent être vecteurs de maladies. Donc peut-être que certains plans d'eau sont contaminés pour une maladie. Mais on ne veut pas que ça aille à un autre endroit, mais également, ils peuvent être vecteurs de certaines espèces exotiques envahissantes. C'est interdit également d'utiliser des poissons vivants comme appâts, puis il est interdit de rejeter des appâts directement dans l'eau. Alors, en parlant des appâts, parfois on utilise des appâts qui sont des mollusques. Les mollusques, il y a certaines espèces qui sont des espèces exotiques envahissantes. Donc là encore, c'est à proscrire l'utilisation d'appâts de type mollusque. Et enfin, pour ce qui est de l'aquariophilie, il ne faut pas jeter le contenu de son aquarium en milieu naturel, puisque, évidemment, on a tous l'exemple de la tortue à oreilles rouges qui très facilement s'est acclimatée ici, alors qu'à la base, elle n'était pas présente. Donc, il y a de grandes chances que ce soit quelqu'un qui avait un aquarium qui a juste déposé sa tortue en nature. Si la pensée première est très, très, comment dire, bien fondée, de déplacer, de rendre sa liberté aux espèces, au final, elle a un impact négatif, c'est que ça peut créer des espèces exotiques envahissantes. Donc, si vous avez un aquarium et que vous n'en voulez plus, l'important, c'est de savoir où le déposer. Soit vous cherchez à le donner à un ami, par exemple, qui cherche à avoir un aquarium, et si vraiment vous ne trouvez personne et que vous n'en pouvez plus de votre aquarium ou que c'est trop compliqué, bah plutôt que le jeter dans les toilettes ou en nature, car oui, certaines espèces vont résister, même en les mettant dans les toilettes, elles peuvent passer par tous les tuyaux que vous voulez, elles vont se retrouver dans la nature et elles vont réussir à coloniser. Donc, on évite toilettes et nature et vous pouvez demander à la SPCA s'ils peuvent prendre vos animaux ou vos plantes. Malheureusement, parfois, ils ne peuvent pas tout prendre à la SPCA. Donc, dans certains cas, c'est triste, c'est dur à faire, mais c'est plus important pour la nature. Ça va être de tuer les animaux et puis s'assurer qu'ils soient bien morts. Et de tuer les végétaux avant de les mettre peut-être au compost ou ailleurs. Mais en tout cas, ne jamais les remettre en nature. Pour ce qui est des milieux terrestres, donc les actions de prévention sont les suivantes. Pour les espèces ornementales, par exemple, s'informer sur le statut de l'espèce avant l'achat. Puisque, comme on disait tout à l'heure, certaines espèces de plantes sont commercialisées, mais ne sont pas forcément légales ou peuvent devenir en tout cas des espèces exotiques envahissantes. Une fois que vous les avez, ces espèces ornementales, délimitez les zones d'implantation. Pour éviter d'avoir une colonisation trop rapide, même si ce n'est pas encore une espèce exotique envahissante, on ne sait pas ce que ça peut donner. Puis, là encore, contrôler l'expansion, même si elle dépasse vos zones délimitées, bah, contrôler et éviter qu'elle se répande ailleurs, que ce soit chez vous, mais peut-être juste derrière de votre barrière aussi. Donc, il faut vraiment avoir un esprit global sur l'implantation d'espèces ornementales. Pour la randonnée, inspectez vos vêtements pour ne pas déplacer d'espèces exotiques envahissantes. Et ne pas prélever d'espèces inconnues. Je sais qu'on a tous ce réflexe de dire « Ah, oh, génial, elle est belle cette espèce, je vais la ramener chez moi, elle est très jolie. » Puis on n'a pas le temps, on arrive de la randonnée, on la met à un endroit où il y a un peu de lumière, un peu d'humidité, puis hop, elle prend. Mais elle est très contente, nous on a oublié, puis on a ramené une espèce qui venait pas du tout d'ici, puis de fil en aiguille, elle peut devenir une espèce exotique envahissante. Donc je sais que c'est dur, mais là encore,
ne prélevez pas d'espèces comme ça, ne déplacez pas d'espèces inconnues. Et enfin, pour la chasse, là encore, il ne faut pas déplacer les espèces entre les régions. Et si on le fait, on peut les conserver, mais dans des enclos, et s'assurer que les enclos soient bien délimités. Mais alors, que faire? Parce que malgré toutes ces actions de prévention, l'anticipation, les espèces exotiques sont quand même arrivées. Donc, il y a deux leviers qu'on peut faire. Le premier, c'est éradiquer, quand c'est encore possible. Et le deuxième levier, ça va être de contrôler. Alors, dans le cas, dans cette présentation, on va faire deux niveaux. On va faire le niveau végétation et le niveau animaux. Pour ce qui est des végétaux, il y aura des exemples plus concrets, puisque s'il y a une facilité d'intervention, c'est plutôt local. C'est des méthodes qui sont connues et il y a des organismes qui sont préparés à vous appuyer. Donc là, on a des notions qui sont connues. Par contre, pour les animaux, c'est une difficulté d'intervention puisque les animaux, ils se déplacent à grande échelle. Donc, si nous, on veut agir dans notre jardin, j'ai envie de vous dire, vous embêtez pas à faire ça. Ça va être des méthodes qui vont être plus coûteuses. Et puis, là encore, l'échelle d'action est inappropriée. Si vous faites ça, comme je disais, dans le jardin, vous embêtez pas. Donc, si on intervient sur les végétaux et si on fait notamment de l'éradication, ce qui est important avec l'éradication, ça va être la rapidité d'intervention. C'est là où sont très forts, les espèces exotiques envahissantes sont très forts, c'est qu'elles vont coloniser un endroit avec rapidité. Mais nous, il faut qu'on soit alerte et qu'on réagisse aussi au quart de tour pour pouvoir la contrer. Ça commence par vérifier, faire différentes vérifications, notamment contacter une personne ressource en cas de doute. On a moins de redoutes, même si on se dit, oh, c'en est pas une, il vaut mieux vérifier. Ensuite, on identifie l'espèce et ses caractéristiques. Ensuite, en étape 3, on cible l'origine de la source. Si la source vient de notre voisin, ben on peut le contacter directement aussi. Et enfin, est-ce que l'espèce exotique envahissante a un impact sur la biodiversité? Si toutes ces réponses sont oui, on établit une stratégie de lutte. On va commencer notamment par quels sont vos moyens de lutte, quels sont vos outils, le temps et l'argent dont vous disposez. Où en est la phase d'envahissement? Savoir est-ce que vous pouvez agir à votre échelle ou est-ce que c'est déjà trop tard? Et si possible, justement, effectuer l'éradication. Si ce n'est plus possible, vous allez pouvoir seulement contrôler l'expansion au cas par cas. Alors, pour ce qui est de l'intervention et des interventions mécaniques, on a ce qu'on appelle l'arrachage manuel. C'est très efficace, mais voilà, ça requiert quand même de la patience et souvent beaucoup de personnes. On peut couper au fouchet également et réaliser l'excavation. Alors là, j'ai mis une pelle. Évidemment, on peut utiliser aussi une pelle mécanique, parce que là, c'est une pelle à main, mais ça demande très souvent un permis. Donc là encore, avant de faire des interventions, c'est très important de se renseigner et de contacter les personnes appropriées. Il y a aussi les interventions physiques. Donc on peut réaliser des inondations. Là, c'est très particulier. On va prendre l'exemple d'un canal. Au bout du canal, on peut interrompre l'exutoire et puis le niveau d'eau va augmenter. Et grâce à l'inondation, ça va inonder les berges et donc ça va tuer les plantes qui se trouvent sur le côté des berges. Mais c'est réellement un concept qui est difficile à réaliser. Puis surtout à notre échelle de citoyen, ça va être difficile de faire ça dans sa cour. On peut réaliser des feux dirigés. Alors ça, là encore, c'est dangereux, donc à ne pas faire chez vous. Surtout pour un permis spécial et puis il faut collaborer avec le service incendie. Donc à part si vous avez un très grand domaine, c'est quand même rare de pouvoir faire du feu dirigé. Et autre possibilité qui est là la plus réaliste pour faire ça chez soi, c'est la solarisation. Donc ça consiste à mettre une bâche pour éviter que le soleil atteigne les espèces exotiques envahissantes végétales. On peut aussi mettre une capsule, par exemple on a coupé un arbre, on peut mettre une capsule, une bâche dessus, qu'on ferme pour éviter que le soleil arrive au pied et que ça évite la repousse. Autre intervention possible, les interventions biologiques. Donc là, on va favoriser la compétition interspécifique. La compétition interspécifique, comme je disais, elle fonctionne des espèces exotiques envahissantes vers les espèces indigènes, mais parfois, il y a des espèces indigènes qui entrent en compétition interspécifique avec des espèces exotiques envahissantes. Là, on va chercher, par exemple, des espèces comme le sapin qui acidifierait énormément le sol et qui peuvent supprimer les espèces exotiques envahissantes. Là encore, il faut prendre en compte que la manipulation du vivant peut modifier le problème ailleurs. Donc, il faut vraiment anticiper ces façons de faire. Autre solution, c'est le broutage.
Bon, là, c'est un peu plus compliqué. On n'a pas tous déjà des chèvres à disposition, on n'a pas tous le terrain à disposition. Puis, il faut aussi des plants qui soient jeunes pour pas, pour qu'ils puissent être broutés, mais il faut aussi que ce soit un milieu qui ne soit pas sensible, puisque si le milieu est sensible, l'impact des chèvres sur ce milieu sera pire que si on avait cherché à si, il sera pire que si on n'avait rien fait, justement. Les zones d'intervention, c'est les interventions, par exemple, chimiques avec des herbicides dans le cas du roseau commun, comme on le voit ici. Bon, on s'entend que les pesticides ou les herbicides qui vont être appliqués vont s'en aller directement dans le sol et voire dans l'eau. Donc, j'ai envie de vous dire, limiter vraiment en ultime recours cette utilisation, surtout qu'il y a des lois et des règlements au Québec sur l'utilisation des herbicides qui sont précises. Donc, avant utilisation, vraiment, il faut que ce soit le dernier recours. Et si c'est le cas, allez vous informer auprès des règlements. Pour ce qui est de la gestion des déchets, si on fait une fauche ou une coupe, c'est très important de savoir comment on gère ces résidus, puisque si on coupe du phragmite ou autre chose et puis qu'on le met un peu plus loin, bah, il peut repartir. Finalement, au final, on pensait qu'on a aidé à réduire, mais on a disséminé l'espèce exotique envahissante. Puis, il faut faire un suivi des interventions. Donc, il faut revenir régulièrement, voir si l'espèce végétale a repris ou pas. Et très important, c'est de faire une plantation, puisque cette plantation, elle va permettre justement au milieu de se reconstruire et de créer une diversité. Si, malgré toutes ces interventions d'éradication, l'espèce végétale est toujours ça, on peut entrer en action de contrôle. Puis là, il faut encore une fois, je le répète, mais c'est très important, demander conseil à des experts. Mettre en place une stratégie qui peut parfois être à long terme, puisqu'on s'engage dans un combat, on ne sait pas de la durée du combat. Utiliser les interventions que j'ai présentées juste avant. Donc, ça va être la même façon. C'est juste qu'au lieu d'éradiquer, bah, ce ne sera plus du contrôle. On ne va pas chercher à tout faucher ou à tout arracher. On va juste dire, OK, là, c'est peine perdue, mais au moins, tu t'arrêtes là et tu n'iras pas plus loin chaque année. C'est ma ligne de combat, tu resteras là. Et également, il faut faire un suivi de travaux dans le temps. On va prendre un exemple, l'exemple du néperlin cathartique. Donc, l'intervention, ça va être de l'arrachage ou de la coupe. Avant de commencer, il faut délimiter la zone de contrôle. Ensuite, il faut prévoir les outils nécessaires, par exemple le sécateur, le poulobier, un sac ou une chaudière, une bâche, une scie à chaîne, un gant et des lunettes. Alors, gants, lunettes, c'est pour la protection, mais le reste, ça va vraiment être des outils utiles et qui vont venir s'attaquer directement au néperlin cathartique. Dans le cas des petits individus, on va utiliser le poulobier pour arracher les pieds, les jeunes pieds. Pour les gros individus, on peut utiliser la scie à chaîne pour couper le pied. Et là encore, il faut mettre un sac pour empêcher les repousses. Pour les pieds femelles qui ont des fruits, comme on le voyait sur l'image précédente, là, il faut récupérer les fruits. Et puis, il faut prévoir des zones de dépôt des déchets. Ce que je disais tout à l'heure, on ne va pas couper certains plants et puis les laisser au bord d'une route pour qu'ils repartent encore mieux et qu'on aide la dissémination finalement. Donc voilà pour les végétaux. Maintenant, on passe à l'intervention sur les animaux. Bon. Déjà, de base, c'est beaucoup plus compliqué, comme je le disais tout à l'heure, puisqu'ils peuvent se disperser beaucoup plus facilement. Et pour ce qui est des animaux aquatiques, il y a des animaux aquatiques qui sont arrivés ici, bah, notamment à l'aide des eaux de ballast par les bateaux, comme la carpe asiatique, le gobie à taches noires, la moule zébrée, et puis la tortue à oreilles rouges, qui, elle, est arrivée via comment on appelle, l'aquariophile. Bon, il y a un côté positif dans tout ça, par exemple, c'est qu'il est avéré que le gobie à taches noires s'attaque aux moules zébrées directement, donc il les mange. Donc au final, deux espèces exotiques envahissantes qui pourront potentiellement se neutraliser dans le futur. Et pour l'instant, ça reste une problématique. Bon, la seule façon d'agir à votre échelle, c'est de prévenir. Donc par exemple, les tortues à oreilles rouges, on évite de les relâcher. Mais sinon, pour ce qui est des autres espèces, ça va être malheureusement de les tuer. Je sais que c'est difficile à faire, mais j'ai un exemple très concret. Quand j'étais chez mes parents, plus jeune, j'allais à la pêche. Et puis, c'était en France, dans ma petite rivière. Puis, il y avait des crapets soleil qui étaient là. Et puis, les crapets soleil, il n'y en a pas en France. C'est une espèce exotique envahissante. Et mon voisin, qui était pêcheur, m'avait dit qu'il faut les tuer. Et c'est sûr, c'est dur, mais à chaque fois que je les pêchais, je les tuais. Résultat, aujourd'hui, parfois, quand je retourne pêcher ou que des amis me disent « je suis allé pêcher », mais il me dit, il n'y a plus de crapets soleil. Et il y en a peut-être encore, mais en tout cas, leur population est énormément diminuée. Donc, on peut agir à ce niveau-là. Dès qu'on peut, on tue une espèce exotique envahissante.
Alors, il y a d'autres espèces, notamment les animaux terrestres. Donc là, on a des espèces comme les insectes, enfin les espèces. Parmi les insectes, on a des espèces telles que les scarabées japonais ou les coccinelles asiatiques, qui sont très invasives. Elles ont vraiment une rapidité de colonisation importante, ce qui en fait des prédateurs redoutables. Ces deux espèces-là, il y a des pièges qui peuvent être créés. Ce n'est pas forcément l'outil idéal, parce qu'au final, ces pièges-là, ils vont peut-être même servir à attirer les scarabées japonais. Donc, si vous utilisez des pièges, il faut mieux les mettre à l'opposé des plantes que vous souhaitez préserver, par exemple. Puis, dans le cas des coccinelles, il y a des répulsifs qui existent. Donc, ça, c'est un petit tip que je vous donne. Vous pouvez, par exemple, mélanger du camphre et de la menthe, puis vaporiser ça sur une plante qui est trop impactée par les coccinelles. Mais sachez qu'en parallèle, les coccinelles mangent les pucerons. Donc, par exemple, les coccinelles, elles vont protéger vos rosiers, pardon. Puis j'ai mis également le wapiti. Le wapiti, alors, vous allez me dire, ce n'est pas une espèce exotique envahissante. Ça dépend pour qui. En fait, à l'origine, le wapiti était présent au Québec, mais il est disparu suite à la chasse et à l'agroforesterie. Puis le Québec le considère comme une espèce exotique envahissante. Là encore, c'est pour vous prouver que tout dépend de l'échelle à laquelle on observe la chose. C'est tout ce qui est important de faire, c'est de rester attentif à ce qui se passe et puis de réfléchir à la façon dont on va agir. Parce qu'il y a un exemple, par exemple, au parc de Yellowstone, où les cervidés, donc, qui sont des cousins des wapitis, c'est une forme générale pour dire les cerfs, les cervidés là-bas, ils mangeaient. Étaient très très nombreux, n'avaient plus de prédateurs puisque les loups avaient été chassés, il n'y avait plus de loups au parc, donc les cerfs étaient très nombreux, ils mangeaient toutes les espèces végétales, puis ça impactait vraiment tout l'écosystème. Il a été décidé de réintroduire des loups, les loups ont créé une meute qui a réussi à contrôler les cervidés, et depuis les espèces végétales s'en sortent beaucoup mieux. Donc on peut quand même agir, mais là encore c'est une échelle qui est plus importante. Donc pour revenir sur l'intervention sur les animaux, faut contacter les services appropriés. Il faut considérer les impacts avant toute intervention. Alors, concernant les bibites, c'est vrai que parfois, ça donne envie. On a plein de coccinelles qui arrivent dans les fenêtres, dans les cadres de fenêtres ou qui rentrent à l'intérieur. Bon, on a envie de les tuer, mais parfois, l'utilisation d'insecticides, c'est pire puisque ça va tuer non seulement les bibites, mais ça peut tuer également des espèces qui vont manger les coccinelles. Par exemple, les araignées sont très utiles dans le règne des insectes puisqu'ils mangent énormément de choses. Donc, c'est vos alliés également. Pour les poissons, il faut épargner les poissons. Je mettais point d'interrogation. Non, il ne faut pas les épargner. Au contraire, il faut tuer ceux qui sont connus comme espèces exotiques envahissantes. Et puis, parfois, on se demande, mais est-ce qu'il faut réellement agir? Bah, faut voir les pour et les contre une fois qu'on est bien informé. Parfois, on peut juste laisser faire la nature, puisque la nature était là avant nous et elle va reprendre ses droits de toute façon. L'équilibre va se recréer, c'est juste l'échelle temporelle à laquelle on observe la chose qui est biaisée. Donc, pour conclure, ce qu'il faut retenir, c'est que les espèces exotiques envahissantes posent des problèmes qu'il faut prendre au sérieux. Ce qui fait qu'elles sont dangereuses, c'est la rapidité de colonisation. Les impacts croissants et parfois inconnus. Donc, je parlais des maladies, on ne sait pas jusqu'où ça peut aller. Et puis, c'est des espèces qui impactent autant les milieux aquatiques que les milieux terrestres. Toutes ces espèces participent au déclin de la biodiversité. Puis, parfois, ça peut même être une bombe à retardement, puisqu'il y a des espèces qui ne sont pas encore envahissantes, mais qui sont, par exemple, dans le sol. Donc, il y a une grosse interrogation autour de ces espèces. Et puis, c'est quand même quelque chose qui concerne chaque citoyen. Donc, même si, comme c'est important, je vous invite à en prendre soin et à faire attention aux espèces exotiques envahissantes. Voilà, je vous mets ici les références. Si vous avez besoin d'aller sur différents sites pour trouver de l'information, n'hésitez pas. Puis j'en profite pour remercier nos partenaires, notamment la CE Zinc, Cascade Emballage Carton Caisse Vaudreuil, l'Association des pilotes maritimes du Canada, Caisse des Jardins de Valleyfield et General Dynamics, OTS de Valleyfield. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Guillaume, pour cette super présentation. Donc, ce qu'on retient, c'est que les espèces exotiques envahissantes, finalement, elles peuvent arriver rapidement
elles peuvent avoir un gros impact là, dans notre environnement, à différentes échelles, dans différentes facettes de notre vie aussi. Donc, c'est important là, de savoir les repérer, savoir les gérer, puis que si on a des questions, là, finalement, de contacter des spécialistes. Donc, j'inviterai les gens qui ont potentiellement des questions là, à les écrire, encore une fois, là, dans la section questions et réponses, donc les deux petites bulles là, en bas de votre écran, ou la question chat. Pour les gens qui sont sur Facebook, vous pouvez aussi les écrire dans les commentaires. Ça va me faire plaisir là, de transmettre vos questions. Et on a déjà une première question. De Inès. Donc, n'est-il pas, excusez-moi l'expression, contre-productif de s'attaquer aux espèces exotiques envahissantes afin de tenter de les contrôler? Et ça, tout en étant très coûteux de les déloger une fois qu'elles sont établies dans le milieu naturel, qu'elles survivent et qu'elles se reproduisent efficacement. Donc, première question, il y avait deux volets à la question. Je vais répondre à cette première question. C'est une très bonne question. En fait, tout dépend de l'échelle à laquelle on observe la chose. Ce qui est important de voir, c'est que oui, parfois, ça va être trop coûteux. Et puis, je vais reprendre la réponse. En fait, la problématique qu'on observe, c'est que nous, on voit ça à une échelle donnée, à notre échelle humaine. Mais il se peut que si on laisse faire la nature, peut-être même en 50 ans, voire moins de temps, l'écosystème va se rééquilibrer de lui-même. Alors qu'au contraire, si on essaye de s'attaquer aux espèces exotiques envahissantes, où on les contrôle, ben on repousse le problème et on repousse le moment où la nature va reprendre ses droits. Donc oui, ça peut être contre-productif, mais c'est vraiment dans des moments précis ou des endroits précis qui sont... C'est important d'agir vraiment aux bons endroits, au bon moment. Donc c'est pas contre-productif, c'est pas forcément le terme. C'est juste qu'il faut réfléchir à la façon dont on va le faire. Super, merci pour ta réponse. Et deuxième question. Croyez-vous que la législation actuellement en place en droit québécois afin de cadrer la lutte aux espèces exotiques envahissantes est suffisamment étoffée? Dans la négative, quelle amélioration proposeriez-vous en tant que scientifique afin qu'elle soit au service de la protection de la biodiversité? Je dois dire que c'est une excellente question. J'avais moi-même noté ce genre de questions. Donc, merci, Inès. Oui. Alors là, je pense que ça va être dans la négative tout de suite. Mais en parallèle, on peut s'inspirer de certains pays comme l'Australie ou la Nouvelle-Zélande qui sont plus drastiques, voire certaines îles. Je pense aux îles dont j'ai oublié le nom, mais bref, une île dans l'océan Indien où si tu vas aller sur cette île, tu es obligé de changer de vêtements, de prendre une douche, tout ton sac est fouillé et puis il y a des insecticides et des pesticides qui sont utilisés pour que tu arrives de façon la plus neutre possible dans un endroit. Ça, c'est un peu l'extrême, mais oui, c'est sûr qu'il y a des améliorations à faire. On ne peut peut-être pas aller jusque-là, mais déjà, obliger peut-être à de nouveaux contrôles. On sait qu'on fait la douane pour éviter de transporter des armes. Je fais un parallèle un peu osé, mais finalement, les espèces végétales ou animales peuvent aussi être des armes. Donc, pourquoi pas rajouter un contrôle d'espèces exotiques envahissantes, par exemple, soit dans les aéroports ou autre. Mm-hmm. Tout à fait d'accord. Très bonne réponse. On a une question de Isabelle. Donc, quels sont les impacts de la carpe asiatique? Donc, question très précise sur une espèce. Alors, la carpe asiatique, comme beaucoup d'espèces exotiques envahissantes, elle va utiliser des ressources dont d'autres espèces ont besoin. Exemple, la carpe asiatique, elle va manger peut-être des herbes, elle va manger différentes algues, puis elle va réduire la nourriture présente pour d'autres espèces. Par exemple, la carpe qui peut être ici, ou même la barbotte. Et sans ces ressources alimentaires, les espèces indigènes, les espèces présentes ici, vont avoir moins d'espace pour vivre et donc vont potentiellement disparaître. Donc en fait, c'est comme, de façon très schématisée, c'est comme si on remplace une espèce par une autre. Super. Donc, question de Caroline maintenant. Caroline Thivierge, à votre connaissance, existent-il des outils pour survivre, ou anticiper les prochaines espèces exotiques qui pourraient arriver au Québec? C'est une très bonne question. Aujourd'hui, j'aurais envie de dire non, mais ça se met en place progressivement. Pourquoi cette réponse? Non, parce qu'il n'y a pas vraiment
d'outils, mais il y a des discussions qui sont en cours. J'ai vu en faisant des recherches pour justement ce meeting qu'il y avait certains ministères qui se préparaient justement avec une liste d'espèces potentiellement envahissantes. Donc ça, c'est quelque chose que je vous invite aussi à aller voir. Il y a celles qui sont avérées, mais il y en a qui peuvent potentiellement devenir envahissantes. Juste un petit complément là, sur cette question-là. Je pense que ça dépend aussi du type d'espèce. Entre autres, le sanglier, qui est une espèce excessivement là, envahissante, qui n'était pas présente avant en Amérique du Nord, mais qui maintenant a été introduite aux États-Unis pour la chasse, par erreur, malheureusement. Et on se rend compte qu'ici aussi, elle est excessivement là, envahissante et elle remonte là, tranquillement vers le nord en partant là, des États-Unis. Je pense qu'il y a eu un premier cas au Canada, en Ontario, il y a 2 semaines. Dans le cas là, du sanglier, là, c'est très définitif là, comme réponse. Là. On tue l'animal un peu comme à la chasse, en fait, là, parce qu'on sait que c'est un animal qu'une fois qu'il est dans un écosystème, là, il fait des ravages énormes. Donc, il y a certaines espèces comme ça qu'on peut là, savoir qu'elles arrivent tranquillement, pas vite, puis s'assurer qu'il y a le plus de contrôle possible. Exactement. Puis je rebondis sur ce que tu dis. En fait, la réponse serait oui. Dans le cas des grosses espèces, mais pour les petites espèces, c'est très compliqué justement de savoir anticiper où est-ce qu'elles pourraient devenir envahissantes. Donc, on a une question ici de Catherine qui demande, est-ce qu'il y a un contrôle pour les pépiniéristes afin de les empêcher de vendre des espèces exotiques envahissantes? Très bonne question. Alors, il y a sûrement des contrôles, mais je pense qu'ils sont très, 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 très faibles. Ce qui fait que, puis, il y a aussi une réglementation qui évolue. Donc, il y a de grandes chances que, premièrement, les pépiniéristes ne soient pas toujours tous au courant des nouvelles espèces qui sont exotiques envahissantes. Malheureusement, il y en a qui doivent encore vendre parfois de la renouée du Japon. Et ça, c'est très dommage. Donc, ça, c'est des choses qui évoluent parce qu'il y a dans le temps, c'était quelque chose qui marchait très bien. C'est une espèce ornementale. On disait, oh, c'est magnifique, on va la vendre. Oui, mais finalement, aujourd'hui, elle est magnifique, mais dans la nature, et puis il y a du tout. Donc, il y a un contrôle, mais il n'est peut-être pas assez important. Et puis surtout, il y a peut-être aussi un manque de communication et d'information envers les pépiniéristes, où je pense aussi à l'aquariophilie. La même chose, je sais que par exemple, en France, il y avait énormément, c'est l'inverse, d'élodés du Canada qui étaient présentes et qui continuaient d'être vendues avec les aquariums. Puis elle a colonisé les milieux aquatiques. Oui, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on pense pas souvent que nos espèces à nous peuvent être envahissantes parce que on n'est pas l'habitude d'entendre que nos espèces le sont, mais c'est important d'y penser aussi, tu sais, pour les gens qui vont à l'extérieur, qui ont de la famille à l'extérieur, peut-être de pas amener de plantes qui viennent de chez nous comme cadeau à quelqu'un à l'extérieur, ça peut devenir là, problématique dans certains cas. Exactement. On a 2 questions de anonymes. Donc, peut-on replanter ou réintroduire des espèces indigènes pour lutter lorsque l'on ne peut pas les détruire? Oui, tout à fait. C'est l'exemple que j'utilisais tout à l'heure avec les loups au parc de Yellowstone. Ça marche plus facilement avec des grosses espèces qui ont un mode de reproduction assez lent, puisque un petit impact, petit effet petite prédation va avoir un gros effet. À l'inverse, si on cherche à réintroduire une espèce indigène, par exemple une plante dont la place a été prise par du phragmite, là ça va être plus compliqué. Donc si on le fait, ce qui est important, c'est de vraiment enlever l'espèce exotique envahissante avant de réimplanter l'espèce indigène. Très bonne réponse. 2e question de Anonyme. Donc, quelles sont les espèces invasives qui ont le plus d'impact au Québec? Donc, c'est large. Très, très, très bonne question. Il y a plusieurs réponses à ça. La première, c'est ça dépend quel impact, parce qu'on a parlé justement des 3 impacts tout à l'heure. Honnêtement, je ne saurais même pas répondre. C'est sûr, en termes de superficie, je pense que c'est le phragmite commun, le roseau commun qui est vraiment partout. Puis lui, il a un impact aussi sur la biodiversité. Mais en parallèle, c'est quelque chose auquel je n'ai pas parlé non plus, mais il améliore la qualité de l'eau. Donc, c'est une espèce qui filtre l'eau, puis qui récupère tous les polluants. Donc, c'est un peu un mal pour un bien parfois aussi. Donc, ça, c'est vraiment pour l'aspect surfacique. Pour ce qui est de l'impact en tant que tel
sur les milieux, je pense là rapidement à la moule zébrée. La moule zébrée, elle filtre l'eau et puis elle est tellement en grande quantité qu'elle peut changer la, on va pas dire la couleur de l'eau, mais la limpidité de l'eau. Puis parfois, il y a tellement de moules zébrées qu'il y a un lac entier qui peut se devenir plus limpide. Je pense notamment au lac Saint-François, qui avec la moule zébrée devient de plus en plus limpide. Et comme il devient de plus en plus limpide, eh bien, il y a certaines espèces comme, comme le doré, qui a besoin de turbidité pour vivre, mais qui n'a plus assez d'habitat. Donc, une petite moule peut embêter un gros doré. Ça, c'est pour ce qui est de l'impact écologique. Et puis après, on a vu ce qu'il y avait aussi au niveau des impacts. Je pense qu'il y a la berce du Caucase. Si vraiment, il y a des endroits qui peuvent devenir envahissantes, on ne sait pas que c'en est, bah, on peut se brûler grièvement. J'ai pas de vraie réponse là, honnêtement, c'est une très bonne question. Oui, ça dépend beaucoup de quoi on regarde, je pense, puis dans quelle facette. Et on pense aussi au gobie, la tache noire qui peut détruire là, un écosystème aquatique assez rapidement là, en mangeant les œufs de tous les autres poissons. Là, ça aussi, là, ça a un impact assez. Oui, exact. Alors justement, il y a aussi le cas du gobie est intéressant, puisqu'il mange les œufs des autres poissons, mais les autres poissons commencent à le manger. Et puisque justement, tout à l'heure, là, je répondais que l'écosystème, lui, il va reprendre ses droits. Bah, pour le coup, on commence à voir que certains poissons, dans leurs estomacs, ils ont des gobies. Donc, ils s'habituent et puis l'équilibre va revenir. Et puis en parallèle, comme je disais aussi, le gobie, lui, il mange les moules zébrées. Donc, on a vraiment l'équilibre qui se remet en place petit à petit. Parfait. Une autre question qui vient d'arriver de Anonyme. Donc, est-il conseillé d'utiliser des espèces envahissantes pour reboiser un terrain contaminé? Là, c'est manipulation extrême. Non. La réponse est non. Utiliser les espèces. Alors, je demande quand même précision, parce que c'est écrit des espèces envahissantes. Est-ce que c'est espèces exotiques envahissantes ou seulement envahissantes? Puisque la réponse pourrait être différente. Mais en règle générale, on limite quand même les espèces qui envahissent parce qu'au niveau de la biodiversité, c'est pas l'idéal. Néanmoins, c'est vrai que c'est une bonne question puisque si le terrain est contaminé, on peut utiliser les espèces pour faire ce qu'on appelle la phytorémédiation. Et les espèces, notamment les espèces végétales, elles vont capter les polluants. Puis ensuite, on peut couper et exporter ces espèces pour que les polluants soient exportés du terrain contaminé. Donc, ça peut être une utilisation qu'on en fait, mais seulement si c'est des espèces qui sont locales et pas exotiques. Non, on va quand même essayer de réduire ça. Ou alors dans un cas très précis où c'est très bien contrôlé, puisque sinon, quand même, on se bat un petit peu contre ça. Donc, si on les utilise, c'est moyen. Il n'y a pas d'autres questions pour le moment sur Facebook non plus. En attendant, moi, j'aurais une autre question pour toi, Guillaume. Oui. En fait, c'est au nom de monsieur et madame tout le monde. Est-ce que tu penses que, étant donné qu'on est en période d'élection municipale, que ça pourrait être intéressant qu'il y ait des programmes d'aide pour les citoyens pour aider les citoyens à faire un contrôle chez eux, par contre, pour les aider financièrement peut-être ou par d'autres aides là, pour aider à gérer les espèces exotiques envahissantes? J'ai l'exemple de Montréal en tête où certains arrondissements là, avaient donné des subventions pour traiter les frênes contre la grippe du frêne, ce qui a fait que dans certains arrondissements, là, la plupart des frênes ont réussi là, à survivre, alors que dans d'autres, pas du tout. Ouais, c'est vraiment une bonne idée, ça, des propositions d'action qui devraient être dans les schémas municipaux, ce serait parfait. Je sais qu'il y a beaucoup de choses à faire au niveau des municipalités et parfois c'est compliqué de répondre à toutes les demandes. Mais ce qui est sûr, c'est que oui, c'est un problème qu'on prend parfois trop. C'est même pas qu'on le prend à la légère, c'est qu'on n'en a pas conscience. Donc ça reste important de savoir qu'il existe, de l'intégrer à des objectifs pour que le problème soit traité. Ouais, bien entendu. Je ne sais pas quoi dire. Pour aller plus loin, mais s'il y a des personnes qui sont des conseils municipaux, ça peut être une idée. Tout à fait. Ou peut-être faire des pressions sur les conseils municipaux, justement, pour que ça soit de plus en plus intégré dans leur programme. Ça peut être quelque chose d'intéressant. Exactement. Donc, s'il y a d'autres gens qui veulent poser des questions, là, on a encore un bon 5 minutes, là, donc n'hésitez pas.
Ça va nous faire plaisir. Là, si vous avez des questions, peut-être en attendant sur autre chose aussi, pendant qu'on est là. On reste des biologistes Oui. Sur beaucoup de choses, n'hésitez pas. Exact. Ah, je pense qu'on a une autre question. De Catherine. Donc, pourriez-vous faire une prochaine conférence pour nous présenter les espèces exotiques envahissantes? Je ne les connais pas beaucoup. Alors, pour l'instant, ce n'est pas prévu de faire une prochaine conférence, mais on va garder l'idée en tête. Ce sera avec plaisir d'en faire une prochaine. Là, c'est vrai qu'aujourd'hui, l'objectif de la présentation, c'était vraiment de présenter les problématiques, puisqu'il en est. Mais c'est une très bonne idée. Et pour répondre à ça, il y a tout d'abord l'outil Sentinel dont j'ai parlé tout à l'heure, qui, justement, grâce aux fiches, décrit les différentes espèces exotiques envahissantes. Donc, déjà, grâce à Sentinel, donc il y a le lien qui est vraiment à la fin, vous pouvez utiliser Sentinel pour identifier et apprendre à connaître les différentes espèces. Et dedans, justement, il y a une clé d'identification qui vous permettra d'aller jusqu'à l'espèce connue. Puis voilà. Parfois, je crois que même dans la fiche de description, ça indique avec quelles espèces elles peuvent être confondues, par exemple. Donc, c'est vraiment très précis. Puis, Google est votre ami, n'hésitez pas à lui demander. Très souvent, il y a les réponses. Mais si on peut, on essaiera de faire une prochaine conférence. C'est une très bonne idée. On le prend en note. Pour faire un parallèle, Guillaume, sur ce que tu disais sur l'importance de bien reconnaître là, effectivement les espèces, parce qu'il y en a beaucoup qui se ressemblent. Là, quand je pense effectivement au roseau, qui est la phragmite là, qu'on voit probablement le plus souvent un peu partout au Québec, là, particulièrement le long des routes. Effectivement, là, petit rappel aux gens, c'est important. Là, on a aussi une espèce indigène du roseau qui se ressemble beaucoup. Donc, encore une fois, là, juste mettre l'emphase sur l'importance là, de s'assurer que c'est bel et bien une espèce exotique envahissante que vous avez, par exemple, chez vous, avant de faire une action, parce que ça serait quand même dommage de vouloir, plein de bonnes intentions, de vouloir gérer une espèce, mais finalement, tu te rends compte par la suite que ce n'est pas nécessairement une espèce exotique envahissante. Là, donc, ce sera un peu contre-productif. Donc, un peu comme pour revenir sur ce que Guillaume disait, là, faites appel à des professionnels. On est là pour ça, pour vous aider là-dedans. Tout à fait. C'est les maîtres mots à retenir, la rapidité, s'informer auprès de professionnels, puis ensuite mettre en place un plan d'action. Puis si c'est trop tard, ben, la nature, elle reste la nature, et puis elle était là bien avant nous, donc elle saura s'en débrouiller. C'est un peu la conclusion que j'en fais, moi. Tout à fait. Donc, je vais juste aller voir vite, s'il n'y a pas des questions sur Facebook. Il y a Martin qui dit merci, ça fait très intéressant. Donc, ça fait plaisir. Merci, Martin. Pour le moment, je pense qu'il n'y a pas d'autres questions, mais comme il reste seulement 3 minutes, je pense qu'on va laisser encore un petit 30 secondes aux gens. Si vous avez une petite dernière question qui vous vient en tête, sinon, il y a toujours la possibilité de nous contacter là, au comité ZIP là, n'importe quand, que ce soit par courriel ou par téléphone. On est là pour ça, pour vous aider à répondre à ce genre de questions-là. Donc, ça me fait plaisir là, de vous aider. C'est pour fait, quoi que ce soit. Tout à l'heure, Daphné, tu parlais justement des municipalités. C'est vrai que ou tout autre organisme, vous pouvez nous faire appel. Et puis, on peut concocter justement un petit guide afin de présenter, par exemple, les espèces exotiques envahissantes, afin que soit mis à disposition des citoyens de vos municipalités ou autres organismes. C'est des choses qu'on peut faire, donc tout à fait, n'hésitez tout pas. Tout à fait. Donc, je ne vois pas d'autres questions pour le moment. Il y a une autre question qui est apparue. Ah oui, pardon. Donc, de Anonyme. Donc, si j'ai des espèces envahissantes dans mon terrain, mais pas les moyens de m'en débarrasser, qui dois-je contacter? Y a-t-il des organismes comme vous qui pouvez m'aider? Oui, tout à fait. Alors, il faut juste que je retrouve. C'était peut-être avant. Mais c'est la liste que j'ai présentée tout à l'heure. Tu l'avais à la fin, je pense. Je me suis perdu dans mon. Bon, ce sera avec les références. Mais en tout cas, dans les références ici, justement, on a tous les organismes environnementaux qui peuvent vous aider, donc le Centre régional de l'environnement. Bon,
on appelle ça des creux. Il y a le creux de la Montérégie, mais vous pouvez utiliser tous les creux, peu importe où vous êtes, dans quelle région. Ensuite, il y a le Conseil québécois des espèces exotiques envahissantes qui est assez bien développé. Évidemment, donc ils sont par ordre alphabétique, hein, c'est pas par ordre de préférence ou quoi, ça a été simplifié comme ça. Ensuite, il y a nous, le comité ZIP du Haut-Saint-Laurent. Il y a les guides des bonnes pratiques qui a été fait par le MFFP, donc le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. Ça, c'est aussi un site en tant que tel que vous pouvez aller visiter. Il y a Nature Action Québec qui fait quelques webinaires qui sont intéressants pour en apprendre davantage, justement. Il y a le programme Je te remplace. Alors, c'est vrai que tout à l'heure, je passais assez vite dessus. Voilà. Je te remplace, en fait, il vient en aide du contrôle. Donc, quand on souhaite établir, justement, je présentais tout à l'heure la barrière. Quand on souhaite établir cette barrière, c'est important de remplacer les espèces qu'on a, l'espèce exotique envahissante qu'on a enlevée. Donc, par exemple, on va s'attaquer à du nerprin. Le nerprin, on va le faucher, on va le couper, on va le déraciner. Puis ensuite, on va bâcher. Et ensuite, après un certain temps, on va pouvoir remplacer le nerprin par d'autres espèces indigènes afin de réintroduire une espèce locale et donc un écosystème qui est plus stable et plus durable. Donc voilà. Ensuite, on avait Rappel qui est un très bon outil aussi. Pour savoir quelles espèces planter, sur ce guide, vous avez toutes les espèces végétales en fonction de leurs préférences, que ce soit un sol acide, un sol humide, etc., etc. Ça, c'est parfait pour savoir vers quoi se diriger afin de remplacer les espèces exotiques envahissantes. Il y a un reportage qui était intéressant de Radio-Canada. Et puis, pour finir, mais non des moindres, le site web Sentinel qui est vraiment très bien fait selon moi, qui est plus concret et qui regroupe, on va dire, les espèces, si je peux dire comme ça, ayant le plus d'impact, en tout cas celles qui sont les plus connues. Super, bien merci beaucoup pour tes réponses. Merci pour ta présentation, Guillaume, c'était super intéressant. Merci à tous ceux qui ont visionné la conférence et qui l'ont écoutée. Merci beaucoup aux gens qui ont posé des questions aussi. Vous aviez des très bonnes questions, super pertinentes et intéressantes. J'espère que les conférences vous ont plu, que vous avez trouvé ça intéressant. Vous pouvez faire part de vos commentaires là, par courriel ou quoi que ce soit si jamais vous le voulez. Donc c'est la fin en fait de notre jour de conférence. Puis dans le fond, nous, on sera toujours disponible si quoi que ce soit au comité ZIP là, pour vous aider. Ah oui, et tant que j'y pense aussi, tout d'abord merci à tout le monde de m'avoir écouté. Et puis le diaporama pour être disponible pour ceux qui ont partagé leur adresse mail, il vous sera envoyé, donc il n'y a pas de problème. Et puis si vous souhaitez le retrouver, que ce soit le mien ou celui de Daphné d'ailleurs, on peut aussi vous les renvoyer, donc n'hésitez pas à nous contacter. Il y a l'adresse du site web du comité ZIP qui est juste ici, n'hésitez pas, hein, ziphsl.org. Vous pourrez nous contacter via ce biais-là ou même via Facebook. Oui, tout à fait. Je vous invite à suivre la page d'ailleurs sur Facebook. Plein de belles informations. Super, ben merci beaucoup à tous, puis ben bonne fin de soirée. Merci tout le monde.